imagine un Lavardin qui se passerait à Beaune et qui s'amuserait à faire tomber les masques beaunois dans les vignobles et il y a sûrement des histoires très très chabroliennes. Je trouve que c'est bien dans l'esprit de Claude Chabrol, moi, cette ville, justement. Un peu province, un peu provincial, comme ça, avec des personnages plus vrais que nature. Beaune réunit les plaisirs de la table et de belles maisons derrière lesquelles on se dit « Tiens, j'aimerais bien ouvrir la porte et regarder ce qui se passe derrière. Ouais. » Il y a des petites rues, la rue Paradis, la rue d'Enfer. Vous voyez, ça porte bien le nom. Déjà, dans les hospices, il a dû s'en passer des trucs quand même, non? Enfin, j'imagine. Parce que là, si on rajoute en plus les curés... Certainement qu'il va y avoir des vieilles histoires de famille à Beaune. De la jalousie, des choses comme ça. Du qu'en dira-t-on aussi qui va jouer. Comment vous débarrasseriez-vous des gêneurs? Dans une cuve de vin, pourquoi pas, hein? En fermentation, ce serait très bien, il serait encore conservé un peu plus. Alors tout le travail consiste, pour les gens qui trouvent ça passionnant, essayer de le mettre sur pellicule en disant « regardez comme c'est passionnant ». Autour du vin, des héritages, des partages, du vignoble, il y aurait eu de quoi faire un chef-d'œuvre. Mais c'est pas perdu, hein. Un autre réalisateur peut s'y mettre.